Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui? C'est toujours un plaisir que nous honorons, nous jeunes, et comme ça, pour nous parler dans nos filières, dans le pouvoir et l'autorité de nous dire, parce que c'est nous-mêmes qui te recevons par là, et puis les banons qui choisissent pour nous capables de faire là, parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas faire autre là seul. Et nous allons faire travail là sans assistance. Sans nous pas en bas zélé, sans nous pas en bas puissance, sans nous pas en nombre du tout puissant. Et c'est comme ça que j'ai été prononcé pour qu'elle tienne parole, ça, les paroles célèbres, les paroles vraiment salutaires, dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, pour te rassurer, non? Du tout pouvoir a été donné dans les cieux, dans les cieux et sur la terre. Et c'est là nous te joignons et thématiquement qui pendant tout mois ça nous avons médité ensemble. Et même Jésus qui fait recevoir des papas on voit pour être exercé, nous te joignons la paupérité, tout miracle sur la terre. Eh bien, les banons, la délégation du pouvoir également, l'individu, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le scorpion, c'est le serpent, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir à l'ennemi. Et étant donné qu'une autorité déléguée, c'est une personne qui est représentée pour Dieu, et bien, Timothée va reprendre la parole, ça, mais que mais Paul va marcher avec Timothée, c'est une jeune qui a accepté de régner faire des voies missionnelles sur la terre. Et bien, la parole, ça, t'as pas répété. Il te dit, car dans Timothée chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ça qui fait que, ou même que bon Dieu délégué le pouvoir pour mener un peuple, pour faire travailler, et ne pas exercer influence. Ce n'est pas un pouvoir d'influence. Ni ce n'est pas un esprit de timidité. Parce que tu as toujours à prier pour chasser en nous tout esprit de tiédeur, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour pour nous marcher. Car l'évangile là qu'on compte pas, c'est une puissance. Nous allons pour nous rendre de lui, pour lui parler de toi. Et là, nous avons dit, nous voyons tout événement, ça y est, toute parole, ça y est, toute mission. Toute délégation de pouvoir, ça y est, a gagné plusieurs années, plus de 2000 ans, depuis que l'Église là a gagné pour recevoir les puissances dans la main. Une question à poser, je veux dire, qui ça, puissance ça, devenu, ça nous fait avec délégation de pouvoir. Avec plus de 2000 ans. Je dis à côté de la paléa, nous avons des signes avant-coureurs, comme si nous sentions, nous ratons quelques circonstances. Nous sentions, si nous pas jouer avec le pouvoir, nous n'avons qu'à faire plus. Mais quand il y a là, le pouvoir presque dans la route, la tourner. Il est pour nous faire une évaluation, pour nous garder qui est bon nous est. Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus? Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus loin? Parce que veillez à ce que dans même le matière, il va nous en pile booster, il va nous en pile leçon. Et dans même le ça,
nous mettre là les paraboles des 10 vieilles. Et c'est dans le moment pour nous chercher, pour nous mettre l'huile dans notre nous, pour nous attiser davantage par qui dans nous. Parce que mettre la presse demain, le diagne a cherché pouvoir, il a cherché puissance. Et bien, veillez à ce que vous l'avez cherché pour nous mettre l'huile pour pas gagner pour nous, pendant que nous avons cherché pour nous mettre dans l'entre nous, pour pousser par l'air, pour mettre la vie, pour porter la guette à fermer, pour ne pas dire, il n'y a pas de mettre nous. Eh bien, nous, l'avons regardé, je dis à. Nous n'avons pas besoin de faire trop de publicité pour l'évangile là, parce que l'évangile là, il fait course déjà. Et à travers l'histoire, le Saint-Esprit mettait en évidence que le miracle qui était opéré, ce n'est autre que le résultat de l'autorité de Dieu. Parfois, on a cherché vantité, non. Et sans, c'est pas bon Dieu, nous n'avons pas capable de faire rien. Parce que nous sous l'égide de l'autorité de Dieu, nous pas besoin d'agiter, parce que la force est calme. Nous, dans la guérison du paralytique, dans Matthieu 9, c'est ça que nous avons essayé de questionner, pour nous voir, pour voir qui vient en mémoire, qui ça nous fait avec lui, qui ça devient. Pour que ça, maladie a permis toute explication ça, pour que ça, il y a toute persécution ça, pour que ça, on a voué qu'on a droite, voué qu'on a gauche, alors que nous gagnons de quoi pour nous subsister, pour nous vivre, nous n'avons pas besoin de chercher la force ailleurs. Jésus, c'est à l'instant même. Nous voyons dans Matthieu 9, ils ont mené par Jésus, un homme qui couchait sur une cabane pendant que mon a blasphémé. Jésus intervenu avec autorité, avec puissance qu'il a gagné, lui pardonner que ce homme-là, et puis lui guérir. L'homme-là levé, la caille. Je dis à la bande de chaque empêché nous exercer autorité que Jésus a nous. Et là, nous regardons dans Matthieu 9, dans verset 8, côté foule là qui a scandé des slogans. Eh bien, je dis là, là, nous travaillons avec autorité de Dieu. Même foule là, je dis, quand la foule vit cela, ça s'est passé là, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. Qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Que nous pas besoin de faire views, nous pas besoin de dire cela, tel bagaille a passé, parce que à bon 20 points d'enseigne, nous pas besoin de monter faux films sur Facebook, sur TikTok, à chercher views. Parce que nous là, bien pour le puissance qui m'en noir. Autorité, bon Dieu, ben nous, et ceci a fait aux vies aux yeux de tout le monde. Et c'est ça, nous, les chrétiens d'Éphèse, à Éphèse, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui a agi en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Son pouvoir indéterminé, infiniment grand, que nous gagnons. Et quelquefois, nous-mêmes seuls, mes bien-aimés, nous pas qu'à colmater Bréchio si ce n'est pas dans l'unité du Saint-Esprit. Une fois, nous sommes un homme, les Jésus m'ont dit,
qui a souillé, l'a ajouté, mais a dit, mais c'est légion, parce que ils vont multiplier de mauvais esprits sur eux. Et des fois, ou même pour contour, ou pas parler, mais dans l'unité, ils nous accordent des forces, nous. Nous qu'à jouer les résultats. Là, nous lit dans même livre Matthieu, on l'a dit, si deux ou trois s'accordent. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, nous avons pris le respect, livre Matthieu a enseigné nous comment pour nous exercer le pouvoir et qui vient que nous a arrangé nous pour nous jouer les résultats. Dans Matthieu 18, verset 19, il dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parce que ça qui est lié sur la terre, lié dans le ciel, ça qui est délié en bas, délié en haut. Donc nous avons plus de bagages que nous sommes capables de faire. C'est-à-dire, autorité vient de l'unité. Donc, pour arriver à un résultat escompté, mais bien aimé, il fallait que deux ou trois soient parfaitement unis. Donc, il y a une grande autorité dans le fait de s'accorder. Il faut que nous unifions nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme, fait à la mesure de la stature parfaite. De Christ, Ephésiens 4, verset 13. Je vous dis à l'église là, divisée. Et c'est la division qui nous a joint faiblesse, nous, l'empêcher nous avancer. Et dernièrement, on va regarder pour l'homme de Dieu qui a fait une formation. Il s'est tellement pesé sur l'accélérateur et puis il fait différent. Mais comme nous, si on a l'autant de l'appement, mon mègue, il m'a eu fort. Et puis, mon côté, là, il a gagné sur toutes les réseaux sociaux. Et là, regardez, pour quantité de commentaires qu'a fait, monde qui n'a même l'église là, pour volume, pour les gens, mon lieu divisé. Alors, que le pas de comme ça, c'est pour une raison. M'a dit nous maintenant, l'unité et qui chaîne dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 11, n'a plus l'histoire. La Bible dit Pierre était gardé en prison sous les règles de Rode Agrippa. L'Église nécessaire d'adresser à Dieu des prières pour lui. Voilà comment l'homme de Dieu fut miraculeusement libéré, sorti de la prison parce que l'Église était unifiée. Donc, il y a des cas qui puissent soin, il doit pas capable, il est insuffisant. Mais si nous accordons, nous y voyons, nous, pour condamner les gens incapables, ils sont faibles, ils ne sont pas capables d'allemander l'église et de prier. Tout en nous donnant des témoignages, ils sont là. Et puis, pendant qu'ils ont aidé le prier, force pauvre, force femme, puissance femme, tout mettait ensemble. Il n'y a pas qu'à résister, il est obligé d'aller. Il est obligé de libérer. Même ça, qu'à souffrir. Donc, il faut nous accorder, nous. Nous avons fait un pile de bagaille à la manière de l'église primitive. L'unité, c'est le résultat. Surtout nous-mêmes, les chrétiens haïtiens, nous avons une devise, nous, l'union fait la force. Nous avons chanté, soyons unis, point de traite. C'est sous papier. Encore plus nous-mêmes les chrétiens. Parfois, c'est bizarre, tellement divisé. Il y a devant la justice. Parfois, juge, l'homme qui doit attendre à faire, c'est tellement la loi qui vient comme boussole, qui va gagner avec mon Dieu. Mais quand il met là, dans le temps noir, parfois, à tout taf, il y a le souli, tout biel sous lui. Et puis c'est lui-même, à
a dit météo là dans mitan nous parce que nous pas gain la solidarité chrétienne patrien n'a lançon appel pour nous solidaires pour que il n'y a pas joindre tout vide sur nous pour pas diviser nous pour pas prendre piété prendre faire pied nous n'a demandé la coopération pour coopérer pour l'évangile, pour l'avancement de l'évangile. Parce que coopérer, c'est vivre dans la solidarité chrétienne, c'est de cesser d'être concurrent l'un l'autre. Parfois, concurrence est tellement laide, c'est des concurrences déloyales. Nous trop conflictuels. N'a pas cherché puissance pour nous avancer, pour nous combattre l'ennemi, de puissance, pour pouvoir léguer à nous, mais je dis à l'église, frère, dans opposition, frère, accès. Cessez de vivre dans la rivalité, mais d'être unis pour la cause de l'œuvre salvatrice. Ouais, dans le livre d'Exode, chapitre 17, 8, à la fin, il a raconté l'histoire d'Israël qui est en bataille. Israël qui a livré bataille aux Amalécites. Il avait dit Moïse était avancé en âge. Eh bien, le même Moïse était à terre. Israël pas bien manqué de puissance, manqué de pouvoir. Le même Moïse en bas. Eh bien, Israël a compté cadavre dans le camp. Mais quand Moïse en l'air, Israël marchait sous l'ennemi. Il était fatigué. L'histoire racontée, Moïse et bon, le Pharaon qui soutenait ses mains. Noé, comment il était venu porter victoire. Il était la victoire était acquise. Parce qu'il était une coopération. Et s'il était unifié, il a fait miracle, bien-aimé. Il a des forces. Dans le moment de faiblesse, il a soutenu l'autre. Pour que nous coopérer entre nous. Pour nous coopérer. Les guerres qui sont l'élan, résilients, intercesseurs. Pour que nous prions avec eux, prier pour eux, même bien prier pour nous. Là, on a une position de faiblesse. Il y a besoin d'un Dieu, d'un Pharaon, d'un coopéré avec Moïse. Et on te joint satisfaction, on te joint victoire. Et si nous unissons, si nous te unifions, nous coopérons, nous coopérons avec les accalés, nous faisons plus de bagailles toujours. Nous recevons plus de puissance. Division pas mener nous loin, ne pas mener nous nulle part. On finit avec après division ça. Nos familles divisées, nous pas qu'à progresser. Nous pas qu'à bailler adversaire pour vivre ça. En plus, fois, nous utilisons pour voir bon Dieu, ben nous, à dessein, n'a fait fuite en avant, n'a fait logique, n'a gaspillé le silence de Dieu, n'a murmuré, n'a pas qu'attendre. Il a regardé dans le livre de Proverbes et Exode, chapitre 14, le peuple Israël est dans une situation, il a murmuré, il a quitté l'Égypte. L'armée pharaon derrière eux. Peuple à devant. Mais il était bon leader responsable qui était lancé une parole salutaire. Dans le Proverbe 14, dans le verset 13, Moïse répondit au peuple : ne créez rien
restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, mais on sait le bagage. Gardez le silence. Et l'Éternel a combattu pour nous. Parfois, on a gaspillé le silence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire point final. Ou bien forcé, oui. Ou bien, mais il y a des moments où on vient pour avancer avec pouvoir dans mon là. Parfois, oui, mieux, il y a monté. Ou est à avancer. Parfois, jalousie dans le temps nous, j'en ai irrité, j'en ai jaloux de l'autre monde, et vous dire à bail. J'en, parfois, il n'y a pas monté, et pas besoin d'occuper. Parfois, pas besoin d'un tribunal, pas besoin d'un avocat, ou pas besoin d'aller avec force dans mon là pour qu'on ait au cas. Levé poids dans mon rang. Parfois, si là, c'est bon. Et nous allons faire ça, nous allons reprendre. Et Moussa, dans le psaume 37, le verset 7 à 10, il te dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvaises voies, de ses mauvais desseins. Mais laisse la colère, abandonne la fureur. Ne tire pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel possèderont le pays. Parfois, autorité que mon Dieu va avoir, qui n'a même pas, on pas besoin pour créer le corps, comme on dit, la force est calme. Il est important, parfois, pendant avancer, on attendait la voix de Dieu qui parlait avec nous. Et comme la sagesse, la politesse, on réclamait deux mondes pour parler à la fois. Parfois, pour nous faire rasé là. Pendant qu'on a avancé en plein combat, en pleine bataille, on attendait la voix de Dieu. Et étant donné deux mondes pour parler à la fois, parfois, il y a des fois, on a fait tout nos vides, mais qui est bon Dieu parler? Jean le dit dans Ésaïe 41, verset 1er, faites silence pour m'écouter, que le peuple réanime leur force, qu'il avance et qu'il parle. Approchons-nous pour plaider ensemble. C'est limiter ça, la parler avec nous. Pour nous gagner le même langage, pour nous tendre la voix de Dieu, avec pouvoir, avec puissance là, parce que l'autorité là, il vient de Dieu, c'est bon Dieu pour tout le temps. Parfait, même j'ai avec cette folie. Et si malgré tout pouvoir, Christ légué nous, ce cadre là, capitalonne nous, demander pour nous faire une recul, pour nous faire radiographie l'église là. Ou bien fait un coup politicien. C'est bon règle dans la politique là qui dit lorsqu'on ne peut pas combattre un adversaire, il faut négocier avec lui. Mais étant donné, nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer ça, nous ne pouvons pas léguer ça, nous ne pouvons pas négocier avec Cadres là. Étant donné, nous ne sommes pas coulés de l'eau à la fois, pas de négociation possible. Bon, ben, nous ne pouvons pas qu'on 2000 ans écoulés, nous avons joué avec le pouvoir qui vient en main nous. Le monde qui bat nous là, il a le pouvoir absolu. Je vous dis à nous réaliser nous, garder l'état d'avancement nous, en fond statistique, en garder pour nous écrire, d'abouer l'ange
écrit, adressé, les sept correspondances adressées à l'église de la ville mineure. On regardait côté nous situé nous. Non, et Apocalypse, chapitre le premier, je crois que les sept lettres adressées à l'église de la ville mineure, nous trouvons dans Apocalypse en premier et trois, en deux et quatre. Et là, est-ce que nous avons situé nous avec Éphèse? Est-ce que nous avons même gens avec Éphèse? Dans verset 2 et 3, même t'as dit, l'église primitive, il était associé, il était union. Il était un amour fraternel, l'unité fraternelle, il n'a mis pas. Mais malgré tout, nous avons la première lettre adressée à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse 2, verset 2 et 4. Écoutez, l'Éphèse dit, je connais ton œuvre, ton travail. Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent à toi et qui ne le sont pas et que tu les as prouvés menteurs et que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, l'église a dit, nous, ce n'est pas bon. On essaie de faire radiographie de l'église là, où est-ce que tu es situé, nous? Est-ce que nous avons fait? On garde la glace là. Mais si nous avons un peu de maçon, nous n'avons pas besoin de faire la glace là. Se regarder dans un miroir, c'est pour se corriger. Est-ce que nous avons la troisième lettre là? Est-ce que nous avons pris gamme dans verset 13 là? Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Mais mon jour, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, est-ce que puissance qui va dans la main de vos puissances, est-ce que c'est vous que temple mon Dieu là, côté pouvoir, mon Dieu, bah, wow, est-ce qu'elle peut nous caser aux cavernes de Satan? Est-ce que c'est la Satan demeurée? Est-ce qu'on a Pégame? Pour lui se faire la Dieu de la fille de l'Église, pour nous côté nous situer, nous, c'est le bon pouvoir. Est-ce que dans verset 21, dans la quatrième lettre là, Dieu lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et détruire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que nous avons la quatrième lettre là? Et tout le monde t'a aimé peut-être à approcher au vers sixième là. Tout le monde a aimé Philadelphie. Apocalypse 3. Les sorts faits à pouvoir. Dans Apocalypse chapitre 3. Et c'est 7 et 8. Il prit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit la parole. Celui qui compte personne ne fermera. Celui qui compte personne ne mourra. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé mes paroles et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais pour, à l'image, à l'installer l'église Philadelphie, au grand travail qu'on fait avec pouvoir et puissance, faut
puissance ou pour faire pouvoir là efficace. Comment il faut pour consentir? Comment exercer le pouvoir qui est là? Là, il y a un cadeau. Ou du moins, est-ce que c'est dernière? Est-ce que c'est yo la dernière et septième lettre là? Est-ce que c'est la Odyssée? Malgré le pouvoir, la mer. Dans verset 15 et 16, c'est la vie. Parole ça, tu connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni mouillant. Puisses-tu être froid ou mouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'on va le quitter? Il maille ça, de lui poser contre nous, malgré pouvoir, malgré puissance. Ou bien la main. Et puis, mettre la place de rester avec tout pouvoir dans le ciel. On réfléchit sur ça. On garde le côté de ce Dieu. On garde l'image. On refonce calme. On regarde la glace là. C'est bien important. Et c'est là nous été atteints. Je trouve bien important pour nous garder dans la glace, pour nous rescaler, pour nous refaire la radiographie. Nous, c'est tout. Pour voir que c'est là, elle est devant nous. Et qui côté nous est. Est-ce qu'on va rejeter nous avec pouvoir? Changer de vidéo, faire allusion avec les 10 vierges, avec ça, ils sont forts. Mettre la parole et tourner après plus que 2000 ans dans nos pouvoirs. Et d'après Jean-Noël, regardez d'ailleurs, bouleversement, il y a des signes avant pour eux. Il montre nous, Maria est là pas trop loin, pour une fête, à qui les portes la fermer, exercer pour votre dans mon là pour mettre là. Après, quand là, pour nous là, dans le Seigneur. Et j'en aurais pas eu. Même l'eau le monde a marché avec beaucoup de technologie, mais toujours à veiller pour nous. Exercer pour voir, pour qu'il n'y a pas. Là, c'est quoi, on dit la mort là. C'est bien pour vous, pour vous, puissance, pour vous.